gens, c'est Drix, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi les gars, ça va vraiment super. Donc aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Observer Clan. Et aujourd'hui vidéo un petit peu à l'ancienne, tu vois, vidéo qui envoie du lourd mais quand même qui date un petit peu, puisque effectivement le gameplay qu'on va vous proposer est en hardcore aujourd'hui, voilà. Mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, sachez qu'on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, voilà, on n'a pas le choix. Aujourd'hui les gars, je vous invite très fortement à aller checker la chaîne du frérot Xerox, pour ceux qui par hasard, même si ça m'étonnerait, ne le connaîtraient pas, puisque aujourd'hui c'est un des gameplays de sa part qui sort. Donc voilà, c'est une nucléaire sans recharger. Du coup forcément c'est hardcore, voilà. Donc il l'a réalisé à la BRM, mais c'est pas tout, puisque faut savoir exactement les gars que dans ce gameplay il nous sort un 50 gun streak. Donc pour ceux qui savent pas, c'est 50 éliminations sans mourir, et tout ça encore une fois sans recharger. Donc c'est à dire qu'en fait le mec il prend son arme, un seul chargeur, il te fait 50 éliminations sans mourir, donc sans une seule fois recharger. Donc des fois tu vois il commence à recharger mais il annule avant, donc tu sais forcément il n'y a pas d'effet, tu vois. Donc voilà, évidemment un gros GG à Xerox, voilà, pour ce gameplay. Parce que faut savoir que moi j'avais essayé une fois, tu vois, et genre je suis mort juste à 29, et du coup ça m'a saoulé. Enfin, j'ai plus jamais réessayé. En plus, c'est en hardcore, donc il fallait avoir la foi. Même si c'était au début du jeu, tu vois, le hardcore ça cassait déjà un peu les couilles. Donc voilà, vraiment les gars, une grosse vague de GG pour Xerox dans les commentaires. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Sachez que voilà, Xerox, etc. À chaque fois qu'on passe sur l'obscur, on lit tous les commentaires de votre part. Alors même si effectivement on n'y répond pas à chaque fois, parce que forcément, des fois il y a des commentaires qui reviennent plusieurs fois ou quoi que ce soit. Sachez vraiment qu'on lit tout et que votre soutien ça fait énormément plaisir. Alors effectivement, je le reprécise encore une fois, voilà, j'ai vraiment pas envie que vous critiquiez parce que c'est du hardcore. Sachez qu'on fait pas d'hardcore sur la chaîne, juste là c'est un gameplay entre pas unique, tu vois, mais ce que je veux dire c'est que c'est un gameplay qui peut pas être réalisé en simple. On peut pas faire une nucléaire en un seul chargeur en simple, c'est pas possible par rapport au nombre de balles qu'on doit mettre aux ennemis. C'est voilà, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que le gameplay est réalisé en hardcore. Ça reste quand même un très beau gameplay. Franchement 50 kills, déjà la nucléaire, la faire la nuque, tu vois, sans recharger, c'est déjà compliqué. Alors forcément les gars, faire un 50 gun streak, donc 50 kills d'affilée sans mourir avec, c'est encore plus compliqué. Donc du coup il a pris la BRM, je l'ai déjà dit, mais c'est effectivement parce que c'est l'arme qui a le plus de balles du jeu dans son chargeur, je crois. Du coup bah il avait pas trop le choix. Sinon je crois que du coup il avait, enfin logiquement il devait avoir l'armure cinétique, vu que c'était du hardcore. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé le gameplay en entier, tu vois. Donc je regarderai après, donc je suis désolé. Du coup je mettrai peut-être un gros correctif genre en plein milieu de l'écran, tu vois, genre en gros si je me suis trompé, mais normalement voilà, je pense qu'il avait l'armure. Sinon bah pour la configuration c'est pas super important, puisque de toute façon c'est du hardcore et que je pense qu'il y a pas beaucoup d'entre vous qui jouent au hardcore. On est en 2017, faut pas se voiler la face. C'est un moment, le hardcore c'est pourri, voilà. Mais enfin voilà, en plus ce qui tombe bien c'est que c'est pas du combine, c'est pas du Nukton, enfin c'est du, je crois c'est infection là, je me rappelle jamais du nom, mais ouais je crois que c'est infection. Donc voilà, enfin c'est vraiment les gars, c'est vraiment, ça change un petit peu d'habitude. Donc j'espère vraiment que ça vous fait plaisir ce genre de gameplay. Alors effectivement c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous dire. Moi ce que je vais juste vous demander, voilà, dans cette vidéo, c'est vraiment pour ceux qui écoutent à chaque fois, on sait que vous êtes beaucoup à écouter, tu vois. Moi ce que je vais vous demander c'est de participer dans les commentaires, parce que j'ai une petite question pour vous les gars. Et vraiment c'est une question importante, genre en fait on a plusieurs gameplays de classe équivalente, donc des quads nucléaires et des pentanucléaires. Et j'aimerais maintenant savoir ce que vous préférez, ce que vous préféreriez, pardon. Donc en fait, si soit vous préférez donc la quad, donc hashtag quad, donc je sais pas comment je vais manger, je vais peut-être faire un petit montage d'écran, tu vois. Soit un hashtag penta, tu vois. Donc soit vous préférez qu'on mette des quads nucléaires d'abord et ensuite la penta, soit l'inverse. Vraiment les gars, faut que vous nous disiez. Sachez quoi qu'il arrive, le gameplay sera posté la semaine prochaine, le temps qu'on ait bien le retour, etc. Parce que je sais pas exactement encore quand est-ce que cette vidéo sera postée, mais voilà. En tout cas, vraiment les gars, j'ai besoin de votre soutien, enfin besoin de votre avis, vous êtes notre communauté, etc. Enfin, c'est vraiment très important pour nous. Donc j'ai vraiment besoin que vous participiez, donc dans les commentaires les gars, ça me ferait vraiment plaisir. Moi vraiment j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, voilà, je sais pas, vraiment la vidéo touche déjà à sa fin. Je sais que c'est vraiment court, mais en même temps voilà, j'ai vraiment, il y a vraiment pas grand chose à dire, juste le gameplay est beau, tu vois, et même s'il date un peu. Donc encore une fois, un gros GG à Xerox, un max de likes les gars, parce que sachez que les likes ça nous aide énormément et ça nous fait vraiment plaisir. Donc voilà les gars, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Obscur Clan. C'était Drix, allez ciao, je vous laisse en musique.